La saison sportive dans le département du Fundi en matière de karaté a pris corps ces 17 et 18 avril à Yaoundé à travers la première compétition organisée sur le dojo du Yamte Karaté Club à l'endroit des plus jeunes. Rien n'a été laissé au hasard pour permettre aux uns aux autres de promouvoir la discipline. L'objectif également, c'est quoi ? C'est de promouvoir d'abord le karaté à la base. Voilà pourquoi vous allez voir, je mets beaucoup plus d'accent sur le karaté jeune. C'est mon domaine. Bon, en plus de ça, nous avons installé un climat de détection. Nous sommes en train de détecter des jeunes talents qui pourront représenter la région demain, en plus la nationale, et voire l'internationale. Donc c'est pour là que nous sommes en train de les préparer à la base. Plusieurs catégories se sont illustrées durant 48 heures pour non seulement jauger le niveau des karatékas, mais aussi échanger et partager les vertus de cette noble discipline. Ceci au grand bonheur des athlètes. Pour gagner le combat, j'ai laissé, il vient. À chaque fois qu'il arrivait, j'évitais ses coups puis je contre-attaquais. Si le premier coup ne marche pas, j'attaque deux coups, après ça va le prendre. Ça s'est bien passé. La fille contre parce qu'elle m'a fait mal ici, j'ai supporté. Comme j'ai supporté, après ça j'ai gagné mon combat, mes deux combats. Mon maître m'a appris tout ce que je voulais. Des combats de très bonne qualité en somme, avec notamment des surprises pour certains qui, en dépit de leur âge, ont la maîtrise des règles et des techniques. Le travail des maîtres a été à la hauteur des attentes. Je remercie mon maître de m'avoir encouragé de faire le karaté. Ça me fait plaisir et je suis très contente. Je veux vraiment les remercier de m'avoir encouragé tout au long de cette aventure. Les remercier de m'avoir permis d'arriver à ce niveau. Bon, je ne peux que dire de continuer à s'entraîner parce que c'est l'entraînement qui paye. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons pu réaliser les objectifs que nous nous étions fixés de prendre les deux médailles finalistes et ça s'est fait dans les mois de 75 et plus de 75. Donc nous sommes très, très heureux de ça. Une fois encore, le karaté à travers ces nombreuses écoles de formation est en pleine expansion pour le bien des apprenants. Et cette salle, je l'ai fait pour le karaté. Donc ce que les enfants font aujourd'hui, je suis trop fier. Ça me donne encore un an de plus de vie quand je les vois faire comme ça. C'est pour ça que les soucis là, ça part. Donc j'invite tous les parents d'amener les enfants dans Yamte Multisport Academy pour trouver d'abord la santé. Les enfants, les mamans, les pères, partout où ils peuvent renouveler leur sang. La saison a donc bien débuté avec cette initiative de l'entraîneur départemental entouré de ses pairs du karaté pour une année sportive les plus meilleures.